Bien, bonjour à tous, nous sommes à Sarrebruck devant le magasin Pink Paradise. Alors déjà quand on voit les vitrines du magasin, c'est déjà très sympa vu de l'extérieur. Rien que les vitrines. Alors nous sommes dans le magasin Pink. En Allemagne, à Sarrebruck, et franchement, il y a tellement de choses, on ne sait même pas par où regarder. Il y a vraiment des décos dans tous les sens. Vous avez tout ce qui est ici, bougies, 8000 sortes de bougies. C'est vraiment magnifique, c'est mis avec goût, c'est waouh. C'est vraiment un magasin, il y a vraiment tout pour Noël, hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment mis, regardez ici. Rien que pour vendre les boules, hein. Ils ont fait un arbre et c'est présenté dans des corbeilles, mais c'est vraiment super, super, super. Là, ici, vous avez des cadres de Noël. Là, vous avez, voyez, tout est mis par couleur. Là, vous avez tout ce qui est rouge. C'est vraiment sympa, sympa. Là, vous avez tout dans le rose. C'est vraiment... On ne sait plus pour regarder tellement c'est joli. Je ne sais même pas si j'arriverai à tout mettre sur la vidéo tellement il y a de quoi à regarder. Regardez-moi ça. Et tout présenté vraiment sur des podiums intéressants. Ah, c'est vraiment magnifique, magnifique. Hein. C'est vraiment un plaisir, on est vraiment à Noël, on est vraiment dans un autre monde. Hein. C'est vraiment fabuleux. C'est génial, c'est... Regardez-moi ça, des choses en bois. On est vraiment dans un monde féerique. Hein. Des doux bruits de cascade. C'est vraiment très sympathique. Là, on a tout ce qui est dans les bleutés, comme ça. Des petits casse-noisettes. C'est vraiment sympa. Hein. Regardez-moi ça. Oh, la petite guirlande, elle est sympa, lumineuse. Là, vous voyez, petite lettre. Regardez ici. Là. Rien que des simples pots en verre, comme ça, ça fait Noël. C'est des pots en verre, quoi. Et vous regardez ça, hop, ça fait Noël. C'est génial. Regardez là, ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, tout ça. Et on va arriver dans la partie où il y a des illuminations. Regardez ces beaux petits bouts de bois rigolos. Là, vous avez des cailloux de toutes les couleurs. C'est vraiment sympa. Jolies petites branches. Voilà. Là, vous avez des petites LED. Oh, des petits trucs de village, là, c'est magnifique. Elle est super sympa, cette petite caravane, là. C'est vraiment sympa. Des petits villages. Oh là là. C'est vraiment des jolis petits villages. Ah, c'est vraiment chouette. Et regardez comme c'est présenté. C'est vraiment sympa. Hein. Ça, c'est vraiment très, très sympa. Les petits arbres, là, ouais, il est sympa l'arbre, là. Pour ceux qui font des villages, c'est vraiment chouette, hein. Voilà. La petite de chevaux, là, avec l'arbre, est trop chouette. Regardez-moi ça. C'est vraiment... Et là, regardez ça, ils ont fait comme si c'était sur un petit nuage, là. Franchement, des petites idées déco, hein.
Vous mettez un support de jardinière, vous mettez une planche, un petit peu de déco, et voilà, vous avez... Franchement, au niveau décoration, c'est franchement une tuerie. Là, vous avez les LED de toutes les couleurs. Regardez-moi ça. Là, multicolore. Blanc chaud, blanc froid. Regardez-moi ça. Tout est rangé de toutes les couleurs. C'est vraiment très joli. Celle-là, j'aime bien le violet, blanc. Le violet, blanc et bleu. Alors, regardez tous ces trucs de petits villages. C'est vraiment sympathique. Il y a un petit food truck là, qui est rigolo. Et moi j'aime bien, c'est la petite caravane avec marqué café là. Je crois que je vais me la prendre pour mon village celle-là. Et là, le petit food truck là, il est sympa aussi celui-là. Là ici, vous avez une grande roue. Là, vous avez un moulin. Ouais, il est super joli ce moulin là. C'est vraiment un joli moulin. Les ailes sont vraiment bien faites. Il est vraiment sympa ce village là. Et là, vous avez des petits trucs. Vraiment alors sympa. Ici, on a des petits personnages, des petits arbres. Je crois que j'en prends 2-3 des arbres. Ils sont assez sympathiques. Regardez, en plus, c'est pas très cher. Hein. 2,99 le petit arbre à neige. Là aussi, il y a un petit truc. On a plusieurs sortes d'arbres, de buissons, etc. Ça, c'est pas mal, ça. Ça me plaît bien, là. Voilà. Regardez, vous avez un assortiment. Il y a des petits arbres, des petits buissons et tout ça. Je pense que je vais m'en prendre un. Alors là, je vois tout cet assortiment de boules, mais c'est franchement la façon dont c'est placé, c'est vraiment... c'est ça qui fait le charme, en fait. Vous voyez, on est vraiment baigné dans la déco, quoi. Et là, regardez, un petit peu original, un sapin avec tout en déco violette. C'est original, hein. On voit pas souvent ça en violet. C'est pas mal, c'est original. Et là, voilà, plus traditionnel avec du rouge et du blanc. Celui-là aussi, il est pas mal aussi, vous voyez. Donc pour ceux qui cherchent des idées de façon de décorer le sapin, rien que de se promener là-dedans, on a des idées, on est inspiré. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Regardez là, une guirlande, quelques boules dessus et paf. Regardez, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ce soit joli, vous voyez. Au revoir, Père Noël. Au revoir.